សូមអញ្ជើញគាត់ចុះអង្គជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសមនការជាបន្តនេះតើអស់លោកលោកស្រីចក្រមមានសំណួរអ្វីចង់សួរដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវិនិយោគនេះដែរទេ Đồng nàng xa phí nhá, ta miền tâm nô ở bây trời xua đò đàm đang đọc này rụng đại tế. Can you ask if they finished? Because Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, à ce stade-ci, je voudrais m'assurer que nous ne prenions pas la parole avant que les avocats des parties civiles aient terminé, parce qu'il me semblait qu'ils avaient eux-mêmes des questions à poser à la partie civile ici présente. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je me demandais en effet si j'avais mal interprété la décision qui était intervenue ce matin, et je pensais que, en effet, peut-être, c'était à moi d'intervenir en premier lieu. Je voudrais d'abord remercier Mme Lefebvre pour sa déposition et pour la dignité avec laquelle elle a fait de cette déposition. Je sais que c'est un moment extrêmement dur aujourd'hui pour vous, Mme Lefebvre, mais c'est aussi un moment que vous attendez depuis maintenant plus de 30 ans. Et vous m'avez indiqué ce que cela représentait pour vous, et l'importance pour vous de ce procès, bien entendu, mais l'importance que vous attachez à pouvoir aujourd'hui témoigner devant ce tribunal. Je voudrais que nous revenions un peu sur votre déposition et je voudrais vous poser certaines questions. Notamment, je voudrais vous revenir sur le départ de Kate. Ce départ en 1977, pouvez-vous m'indiquer dans quel état d'esprit se trouvait votre mari au moment de son départ? Avait-il des doutes? Avait-il des craintes? Était-il heureux qu'on le rappelle à Phnom Penh? Kate était très content de pouvoir rentrer au Cambodge, participer à la reconstruction nationale, comme je vous l'ai dit, il voulait enseigner. Car il me disait que rien n'est pire que l'ignorance. Et donc nous sommes restés au Mans, chez mes parents, et il avait l'air confiant. Mais nous avons d'ailleurs fait des achats dans la ville où j'habite et il a acheté des choses tout à fait normales qui sont un imperméable, des chaussures, une valise, des lunettes de soleil. Et dans le bus qui nous emmenait faire ses achats, le bus bondé, nous tenions au poignet en cuir de l'autocar. Et je regardais son visage que je n'allais pas voir pendant 3 mois parce qu'il m'avait dit « J'emmène les photos des enfants et de toi, je te ferai faire un nouveau passeport et dans 3 mois maximum nous serons réunis à nouveau. » Et moi je regardais son visage, très beau,
Et il m'est sorti une phrase instinctive où je lui ai dit, si un jour on m'apprend que tu es mort, jamais je ne croirai que tu es mort de ta mort naturelle, mais on t'aura assassiné. Et lui me regarde et me tapote sur la joue en me disant, mais ma chérie, les Cambodgiens ne sont pas des sauvages. Le voyant si sûr, j'avais grande confiance en lui. Voilà. Après, on sait ce qui est arrivé. N'avait-il pas même envisagé d'amener votre fils pour son départ? Notre fils Makara avait 4 ans et demi et il me dit, je rentre au Cambodge, je vais être sans les enfants. Est-ce que tu crois que si j'emmène Makara, ça sera bien? Et moi, il s'occupait très très bien des enfants en l'absence de moi-même. Il savait leur faire à manger, faire leur toilette, s'amuser avec eux. Et je ne voyais pas d'inconvénient à ce qu'ils puissent emmener notre fils. Mais au dernier moment, il s'est ravisé. Et je pense qu'il a très bien fait quand on sait ce que sont devenus les enfants des parents de S21. Donc pour vous, il n'avait aucun... Non. Il m'a dit peut-être que je ferais un peu de travaux agricoles. Ça devait être la pire des choses pour lui. Enfin, ce qui lui semblait le plus difficile. Comment on rentre dans son pays? Si on sait qu'on va se faire tuer, on ne rentre pas. Et il est rentré avec cet état d'esprit, confiant. Je voudrais revenir sur un détail, mais simplement pour qu'il n'y ait pas de problème par rapport à cette déclaration. Lorsque vous étiez dans les camps en Thaïlande, vous avez rencontré une personne de vos amis qui vous a indiqué exactement ce qu'il avait vu à Tung Sleng et qu'il avait travaillé pendant une période de 4 mois à Tung Sleng. Pouvez-vous préciser, avait-il travaillé à Tung Sleng en qualité de prisonnier ou avait-il travaillé au moment de la prise de Tung Sleng par les Vietnamiens? À quel moment avait-il travaillé à Tung Sleng cette personne? Khang Vietnam ta luk srei nyei tha neak mok pe tuol slai ne neak na da ma dang rot thue ni. Monsieur Ho Thong Heung était un de nos amis à Paris. Il était lui-même rentré au Cambodge pour participer à la reconstruction nationale. Il s'est lui-même retrouvé prisonnier dans un camp pour intellectuels aux Terres Rouges, où il m'a raconté ce qu'il a vécu et comment se passaient les choses. Et donc, au moment où les Vietnamiens sont arrivés à Phnom Penh, lui s'est trouvé libre de faire ce qu'il voulait. Et je pense que le connaissant, il a découvert tout cela, mais il s'est dit, mais doit y avoir des gens que je connais qui se sont trouvés dans ce guet-apens. Donc il est allé travailler, je ne sais pas avec quelle organisation, et il m'a dit qu'il y avait travaillé 3 ou 4 mois. Donc ce n'est pas comme prisonnier, c'est comme, entre guillemets, chercheur. Et il a relevé les noms de nos amis qui vivaient en France. On en a retrouvé pas mal. Excusez-moi de revenir encore sur cet événement.
Mais quand vous on vous a appris la mort de votre mari en Thaïlande, alors que vous trouviez dans ce camp et que vous deviez rentrer en France, qu'est-ce qu'a été votre ressenti? Qu'avez-vous ressenti véritablement et comment avez-vous réagi dans ces premiers moments? Donc j'ai été anéanti en entendant, je ne savais pas ce qu'était tout le slang. Donc Otomieux m'a expliqué, c'est un centre où on exterminait les gens. Et je me suis dit, mais pourquoi? Donc j'ai été mais dans une colère, dans une tristesse, une rage, que si j'avais devant moi les personnes qui ont touché un centimètre carré de la peau de Kate et un seul de ses cheveux, je les traduirais devant un tribunal. Et donc je suis rentrée en France, et dans l'avion j'ai décidé que je serais infirmière et qu'il fallait que je dise la vérité à mes enfants, ce dont j'étais bien incapable pendant la première semaine. Donc j'avais de la souffrance mais incroyable, comment on a souffert et comment j'allais leur dire la souffrance de leur père au milieu de tous les autres Cambodgiens. Donc à force de me demander des nouvelles de leur papa, j'ai pris mes enfants dans les bras et un soir, mon fils m'a dit, mais maman, pourquoi tu ne me donnes pas des nouvelles de papa? Et je lui ai dit, ton papa est mort dans telle condition. Et il m'a répondu, je me vengerai. Et moi, j'ai eu très peur de cette réaction. Il m'a dit, maman, je me vengerai, je travaillerai toujours très bien à l'école. Mais le reste de l'année, il a très mal travaillé. Et avec la petite Mary, elle aussi, elle a compris du haut de ses 4 ans et demi. Il a fallu lutter. Il a fallu lutter. Nous vivions sans l'affection de Kate, sans son soutien, c'était le chef de famille, sans soutien financier, sans soutien économique, sans soutien affectif. Ces personnes ont détruit notre famille, comme ils ont détruit d'autres Cambodgiens. C'est insupportable. Excusez-moi, je crois que c'est moi qui vous ai interrompu, Madame Lefebvre. Dites-moi, à ce moment-là, pour bien préciser les choses, vous avez décidé de reprendre vos études, de passer un diplôme, parce que vous aviez abandonné donc ces études pour poursuivre votre mari. Est-ce que cette période a été extrêmement difficile aussi pour vous de ce point de vue-là, étant donné que vous étiez la seule personne de la famille à pouvoir vous occuper de vos enfants? Avez-vous une aide particulière de la part de votre famille? Et pouvez-vous nous indiquer aussi si les démarches que vous avez dû effectuer pendant des années et des années ont eu des conséquences aussi sur la façon dont vous avez vécu et la façon dont ont vécu vos enfants? Oui, bien sûr, je devenais moi-même chef de famille
fallait que je trouve de quoi vivre, suivre les études, pouvoir nourrir mes enfants, leur apporter le soin et la protection, parce que ce sont les parents qui doivent élever les enfants. Là, nous étions amputés du papa, sa présence, son affection, son soutien. Et donc, c'est ma mère qui s'occupait des enfants. Quand j'allais faire mes cours, et le temps que j'ai passé à faire les recherches, c'est du temps que je n'ai pas consacré à mes enfants. L'argent que j'ai mis dans les billets d'avion, dans les allers-retours entre le Cambodge et la France, à chercher quête, c'est au détriment de ma famille. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi que c'était pour votre famille que vous le faisiez? Bien sûr, il fallait remonter la pente, tout réorganiser, vivre avec ce drame qui est prégnant jusqu'à maintenant. Comme je l'ai expliqué, plus le temps passe, plus on l'a en plein visage. C'est un crime impardonnable, inexcusable. Vous nous avez parlé de votre souffrance. Mais avez-vous eu des séquelles physiques de cette souffrance? Donc en 1984, j'ai fait deux ulcères de stress. Ça se trouve dans l'estomac et je vomissais du sang. Parce que je devais être partout à la fois. Aux études, soutenir mes enfants. Ma fille pleurait énormément, sans arrêt, me demandant « Je veux voir papa, je veux voir papa. » Mon fils, pareil. On n'a pas pu faire de deuil. Pas de corps, pas de restitution de corps, pas de sépulture. Kate, il est en poussière à Chul Ek, comme des millions de Cambodgiens. C'est une souffrance au quotidien. Il n'y a pas un jour où je n'y pense pas. Donc voilà, j'ai eu cet ulcère, ces deux ulcères. Mais il fallait serrer les dents, avancer pour que mes enfants aient une éducation, fassent des études et essayent d'avancer cas à cas dans la vie quand on est petit, qu'on a 4 ans et demi et 7 ans. Comment on démarre dans la vie sans ses parents, sans son père, mort d'une mort mais ignoble, dans une cruauté, mais inouïe. C'est ça que je demande. On entend bien ça. Que les gens se sont éclatés à tuer les autres. On ne fait pas ça impunément pendant 9 ans. Ce n'est pas possible. Madame Lefebvre, vous avez choisi ce métier d'infirmière. Pourtant, je sais que vous n'avez pas pu continuer à exercer en milieu hospitalier. Pouvez-vous nous indiquer pourquoi? Donc, les premières années, on va dire, je dois remonter les choses,
Je suis le nez dans le guidon, je lutte, je serre les dents. J'ai travaillé dans des unités de réanimation médicale, dans des unités de chirurgie. Après, j'ai travaillé aux urgences. Et les trois dernières années, apprenant petit à petit les bribes, par morceaux, nous avons appris que ce qui est arrivé à Kate. Un jour, j'avais cette information, sa photo, nous l'avons retrouvée en février, et je n'arrivais plus à exercer mon métier quand je voyais les poches de sang qu'il fallait passer aux malades, mais je vomissais. C'était impossible, je voyais les gens avec des blessures et c'était Kate qui me revenait, sans cesse. Je ne pouvais pas continuer, je n'ai pas pu continuer. J'ai donc choisi une unité en psychiatrie légère. C'était trop horrible, je voyais les séquelles de mon mari, le dos frappé. Qu'est-ce qu'on lui a fait des prises de sang? On l'a frappé au visage. Il y avait des gens qui arrivaient avec des cheveux longs, des pauvres airs, et je me disais, ça se trouve, il a été comme ça. Tout est possible, il a tout vécu. C'est la honte de l'humanité. Madame Lefebvre, est-ce que à l'heure actuelle, je m'excuse de vous poser cette question, est-ce qu'à l'heure actuelle vous pouvez pardonner? À l'instant présent, non. Le pardon est un processus. Déjà, il faut retrouver les gens qui ont fait ça. Ensuite, il y a un jugement. Selon la sanction. Et ensuite, il y a réparation. Nous n'avons pas été réparés. Nous ne sommes pas réparés. Nous sommes des pantins. Ce qui a été fait à Kate, nous le ressentons dans notre corps, dans notre esprit. Et là, je ne suis pas prête. C'est un processus, peut-être dans 30 ans. Peut-être qu'il faudra autant de temps pour pardonner que le temps que nous avons mis à trouver la vérité. Vous avez toujours cherché à savoir, Madame Lefebvre. Vous avez toujours cherché à comprendre. Pourtant, n'avez-vous pas eu des moments de lassitude, des moments de découragement? N'avez-vous pas abandonné à certains moments vos recherches? Les recherches concernant Kate ne se sont pas faites de façon linéaire. Je n'ai pas commencé en 1977 et puis crescendo, non, il y a eu des grands moments très éprouvants où j'avais envie d'en finir. Et pour mes enfants, je voulais vivre. Je voulais trouver cette vérité. Donc quelquefois, il y avait des grandes avancées, comme on a parlé de ce tribunal. Mais des fois, je me disais, c'est fini, je ne trouverai jamais. J'étais désespérée. Il ne fallait pas que je pleure devant les enfants. Il fallait avancer, déterminer. Ils ont bousillé notre vie. Et c'est impardonnable, inexcusable. Je vous remercie, Madame Lefebvre. Pour ma part, je n'aurai pas de questions supplémentaires à vous poser. Mais par contre, je sais que vous n'avez pas non plus
Est-ce qu'il m'est possible, monsieur le président, d'interroger l'accusé sur ce point par l'accusé? មេធាវីសួរផ្ទាល់ឬក៏ដល់សំណួរនេះទៅដើមម្ដងរដ្ឋបាលនីជាអ្នកតាំងសំណួរដែលខ្លួនគាត់ឬក៏មេធាវីតាំងសំណួរជំនួសដើមម្ដងរដ្ឋបាលនីរូបនេះតើគាត់យល់ព្រមទេសំណួរដែលលោកស្រីមេធាវីសួរនេះឬក៏រៀបចំនៅសំណួរនេះដោយខ្លួនលោកស្រីផ្ទាល់ ដើម្បីឲ្យយើងយល់ពីការពិតតើអ្នកទាំងអស់នឹងគេយកមកទីបំផុតទៅដល់ទួលស្លែងនោះដោយវិធីណាលោកស្រីឡាហ្វែលគាត់មិនទាន់យល់ហើយមិនរំពឹងថាអាចនឹងកើតរឿងនឹងចឹងទេនៅពេលដែលគេមកដល់ភ្នំពេញនោះគាត់ចង់ដឹងព័ត៌មាននឹងជំនិតចោតអាចឆ្លើយនឹងសំណួរនេះបានដែរទេ បាទអាចបានធំជើញបាទឆ្លើយបំភ្លឺនៅទំនួរដែលសួរដោយមេធាវីតំណាងឲ្យលោកស្រីជាដើមម្ដងរដ្ឋបាលនី សូមគោរពលោកប្រធាន ខ្ញុំសូមឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ មេធាវីដូចតទៅបញ្ញាជនខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្នុងអង្គការគ្រុនគឺរដ្ឋាភិបាលរូបរួមជាតិកម្ពុជាដំបូងគេដាក់តាមជំរំអប់រំសាជាថ្មីបាននេះថាគេទុកតាមដានស្រុកខ្មែរដូចជាពួកក 17 ពួកអីអីនឹងជាដើម ហើយអ្នកដែលតាមដាននេះគឺតែជាពួកបកជនក្មេងៗហើយគេចាប់បន្តាបន្តាយំឲ្យសំភៃមួយដូចយ៉ាងលោកហ៊ុនសម្បត្តិលោកធីសានអ៊ីសុកកន្ធីជាដើមហើយមកដល់សំភៃមួយធម្មតាអានេះវាជា ឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការប្រតិបត្តិការនឹងហើយធ្វើទីរណកម្មយកតម្លើយដូច្នេះយូរអង្វែងដែរពីចិត្តសិបមួយរហូតដល់ទីចិត្តសិបពីរទៅបានខំឃើញគេចាប់បញ្ជូនបញ្ញាជនគេហៅបញ្ញាជនពីស្រុកបរាំងមកហើយគេចាត់ចែងប្រកល់មកឲ្យសំភីមួយសួរចម្លើយនឹងទំតិចដូច្នេះកិច្ចតម្លើការរបស់សំភីមួយវាមានទួលនីតិរបស់វា បែបនេះក្នុងអង្គការទៅលើបញ្ញាជនដែលជាអតីតអ្នកការទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលរួមជាតិកម្ពុជាបែបនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនដោយគោរពត្រឹមប៉ុណ្ណេះ Je n'ai plus de questions, monsieur le président. Mais de vie, tous n'approuvent. Bien pour bien somme nous, bon temps de télé, l'opportun. Somme au compte.
ដំណើរសាប្រញ្ញាមានសំណួរអ្វីចង់សួរដល់ដើមដំណើររបស់នៃរូបនេះដែរទេលោកធានខ្ញុំគ្មានសំណួរអ្វីដើម្បីតាំងទៅដើមដំណើររបស់នេះទេបាទសូមអរគុណ Ông nhầm đây, cô bị tất cả từ mấy từ vì cả phía đây, đảm bây miền ổng các nông ca tăng thầm nô đò đào mình đang rót vào bình dị rụng ní bởi sân bờ miền. Xôm chơi nhầm. Xôm ổ quân lục thiên, chúng bố mấy từ vì cả phía đây, khám miền thầm nô ở vây xu đò đào mình đang rót vào bình dị thì xôm ổ quân. ប្រតិកិច្ចបន្តអង្គជំរះគុលឱកាសទៅជំរាបចោតដើម្បីធ្វើការកត់សម្គាល់ចំពោះស្ដីថ្លែងការណ៍និងការប្តឹងទាមទាររបស់ដើមម្ដងរដ្ឋពេលនេះរូបនេះសូមអញ្ជើញលោកប្រធានជាទីគោរព ដំបងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតនិយាយទៅរកអ្នកស្រីលឺហ្វៃដូចតទៅខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ថាប្រវត្តិរូបរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកស្រីវាជាសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលខ្ញុំនិយាយថាសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រព្រោះវាមានលក្ខណៈអមតៈ បានន័យថាពេលណាគេចង់ស្រាវជ្រាវអំពីទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាជនខ្មែរគេរត់ទៅរកឯកសាររបស់អ្នកស្រីលឺហ្វៃនេះជាប្រកាសដូច្នេះសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រវាផ្លេចពីផ្កាផ្កាវាមានអាយុកាលរបស់វាវាចេះរីកវាចេះរោយឯងអ្នកសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រវាអត់ចេះរីកចេះរោយទេវាចេះសច្ចធម៌ជារៀងរហូត ទុកវេទនារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនោះមានទុកវេទនារបស់អ្នកស្រីលើវ្វៃហើយនឹងកូនជាសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមនុស្សលោកបំភ្លេចមិនបាននេះខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ប៉ុណ្ណេះតទៅនេះខ្ញុំសូមជម្រាបបញ្ជាក់ជូនអ្នកស្រីលើវ្វៃក៏ដូចជាជូនអង្គជំនុំជម្រះ ក៏ដូចជាជួនចិត្តប្រជាជនកម្ពុជាថាខ្ញុំអត់គិតទេខ្ញុំដាក់ខ្លួនជូនតុលាការវិនិច្ឆ័យអង្គក្រឹតកម្មនេះពិតជាមិនអាចអត់អន់ឲ្យបានចិត្តប្រជាជនកម្ពុជាលោកចំអល់មុខខ្ញុំយ៉ាងម៉េចចំអល់ចុះស្ដីបន្ទោសខ្ញុំយ៉ាងម៉េចស្ដីបន្ទោសចុះកាលទោះយ៉ាងម៉េចកាលទោសចុះឯងចំណៃតុលាការក៏មាននៅទីនេះស្រាប់ដែលខ្ញុំបង្កល់ខ្លួនជូន អង្គក្រឹតកម្មនៅសមភីមួយខ្ញុំទទួលខុសត្រូវទាំងខាងផ្លូវច្បាប់ទាំងខាងផ្លូវចិត្តឯងចំណៃអង្គក្រឹតកម្មទូទាំងប្រទេសខ្ញុំទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់អត់តាមផ្លូវចិត្តនេះសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់ប្រកែកទេមកជាមហិញឬអត់ប្រកែកចំពោះមុខនេះគឺខ្ញុំសុំទោសអ្នកស្រីលើវ្វៃហើយនឹងបុត្រីដែលមានមុខនៅទីនេះតាមរយៈនេះក៏ដូចជាសុំទោសស្រីមីម៉ាយទាំងអស់នៅកម្ពុជាហើយនឹងកូនកំព្រា
Lúc xảy ra mùa ốc nửa rì anh chăng mẹn đại rì tế. Je m'appelle Ouk Niri. Ouk Niri. Khi nhóm chăng mùa Ouk Niri. Lúc xảy ra mẹn ảy dụ bọn màn hơi. J'ai 34 ans cette année. Châm lời. Khi nhóm mẹn ảy dụ xảy ra mẹn bích nằm. Sắp ngày này ta lúc thầy rùa nơi tì gà lây nạ đáy hay lúc thầy bà có một bộ ở vầy đáy. J'habite la région parisienne en France et je travaille dans les transports en France. Hồi kèm thua ca nghe nơi con ông khang à cắt cho bà răng. Ở phục bằng cao bà lúc thầy chung mua ở vầy đáy. Mon père s'appelait Ouket. Il a été détenu pendant 6 mois à S21. Ma mère, elle s'appelle Martine Lefebvre. Elle est française. Martine Lefebvre. Tôi tên ông Dương Rê, xong mình chưa mê tử vi nè đồng nàng ở đời mà đang đọc đi cổng bấy làng thuê đây là sẵn khép ông bì sao bà đá ông bì ông hẹt nâng khó tàng này cả phần tiêm tì rồi bọn đời mà đang đọc đi chứ mua ông này rì. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame Ouk Niri est en effet la fille de Madame Lefebvre que vous venez d'entendre et de Ouk Ket dont vous connaissez maintenant l'histoire puisque Madame Lefebvre a fait une déposition extrêmement complète sur la façon dont son mari avait été interné à S21 et exécuté à S21. Les pièces qui sont dans le dossier démontrent indiscutablement le lien existant entre Ouk-Néry et son père Ouk-Net, soit bien entendu un acte de naissance et les actes d'état civil, l'acte de mariage de sa mère, de son père et de sa mère, par exemple. Nous avons aussi dans le dossier de Ouk Néry des éléments qu'elle nous a donnés en plus, qui figurent donc à la liste des pièces qui ont été produites, soit des photos de son père quand il vivait avec sa mère, des lettres de son père, des éléments qui pour elle lui ont permis donc de se rapprocher à cet homme dont elle n'a que des souvenirs extrêmement fugaces. Aujourd'hui, l'intérêt de son témoignage est le fait d'arriver à comprendre que une personne qui n'a pas connu son père ou qui l'a peu connu, d'arriver à comprendre quelle souffrance elle peut avoir, quelle douleur elle peut avoir pendant plusieurs années de sa vie du fait du manque du père et non seulement du fait de l'absence de ce père, mais aussi du fait d'avoir appris
que ce père avait été torturé et exécuté dans de telles conditions. Dans ce témoignage, je rassure la Cour, me semble-t-il, totalement différent de celui qui a été présenté par Mme Lefebvre, car il est là le ressenti d'une personne d'une autre génération et qui a vécu les choses différemment, លោកស្រីនារីដែលគាត់ឆ្លងកាត់អូសៀនតង់សេនហើយអ្វីដែលគាត់ឆ្លងកាត់គឺមានលក្ខណៈតឹងតែងនិងមានលក្ខណៈឈឺចាប់សូមអរគុណឥឡូវនេះអង្គជំរះគុលឱកាសដល់លោកស្រីពុកនារីដើម្បីនិយាយរៀបរាប់ជូនដល់អង្គសម្ដេចការអំពីហេតុដែលនាំឲ្យលោកស្រី Monsieur le Président, avec votre permission, j'aimerais rendre hommage à mon papa à travers quelques lignes que j'ai rédigées pour lui. À propos de mon papa, le premier souvenir que je conserve, c'est sa main. J'ai ce souvenir de lui où nous nous cachons pour faire une surprise d'anniversaire à des amis. J'entends encore le bruit du papier cristal à fleurs se lier à son air amusé, qui me dit de ne pas faire de bruit, et il me tient la main en même temps que je regarde vers le haut. Cette main, capable d'une écriture si élégante, au contenu toujours affectueux et intelligent, connaissant sa guitare par cœur. Une main qui a transmis à maman, pourtant française, tout le savoir-faire de la cuisine khmer. Une main qui serrait celle de diplomates étrangers, sans distinction de race, de culture ou de religion, et n'allait jamais sans l'immense sourire qui illuminait son visage. Lorsque je vois le visage des temples d'Angkor, je me souviens de la seule personne au travers de laquelle je les ai vus ouvrir les yeux et sourire, et je les admire d'autant plus. Tu resteras toujours une page merveilleuse à connaître, page que nous poursuivons de transmettre infatigablement. Mais pour le savoir, encore aurait-il fallu pouvoir faire appel au meilleur de soi. Monsieur le Président, à la demande de Neri, est-il possible que l'on visualise deux pièces RN? Ce sont des photos. C'est la photo de son père, en fait, photo de son père en famille, la cote ERN 00281298. Et tout de suite après, la photo de son père, AS21, 00281299. Avec votre permission, Monsieur le Président. សូមចូលមកពេលបំបីដល់2989ពីលោកប្រធានសូមការអនុញ្ញាតបញ្ចាំងរូបភាពចំនួន2នេះពីលោកប្រធានសូមមេធាវីអង្គជំរះអនុញ្ញាតប៉ុន្តែមេធាវីសូមបង្ហាញនៅបញ្ជាក់នៅលេខ EON 611បានហើយដើម្បីក្តាប់បាននៅលេខ EON នៃរូបភាពទាំងពីរនេះ សារជាថ្មីម្ដងទៀតណាគឺលេខ EON នៃឯកសារដែលសុំឲ្យអង្គជំរះបង្ហាញឯកនៅលើ
qu'un chat ait quand tout le tour. Alors, il s'agit de la pièce E-289-12. Code ERN 00 02 08 1 2 8 98 1 3 ខាងសត្វទោះសូមបង្ហាញឯកសារទាំងពីរនេះគឺឯកសារដែលមានលេខ ERN 00 Oui, il convient de les faire défiler. Je pensais que le document, elles étaient toutes en suivant sur le même document. Dans mon document à moi, j'ai trois photos sur le même document. Voilà. Il convient de, le faire, de les faire défiler. Voilà. Et la photo. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je suis donc née le 16 juillet 1975 à Dakar, au Sénégal, sur le continent africain, parce que mon père y travaillait. Nous habitions avec ma mère et mon frère, place de l'Indépendance, jusqu'au jour où celui-ci a donc reçu une lettre du Cambodge, lui demandant de venir travailler à la reconstruction de son pays. Nous sommes rentrés en France. Mon père est rentré au Cambodge. Et j'ai grandi sans père, avec une mère française qui m'a toujours imprégné de l'idée que le Cambodge était empreint d'une force identitaire exceptionnelle. J'ai grandi avec des sarongs en France et j'ai commencé à apprendre à écrire et à parler cambodgien en même temps que français.
pour nous soutenir, ma grand-mère française nous a élevés, mon frère et moi, pendant que ma mère recherchait mon père dans les camps de Kawidang, reprenait les études, comme elle vous l'a dit, et a continué de nous élever. Pour moi, grandir sans père était devenu une norme. La vie en communauté est peut-être plus évidente dans la société asiatique qu'elle ne l'est en Occident. J'ai donc grandi jusqu'à 6 ans avec Prahok, Chak Nyei, Somlomotiu et d'autres mots cambodgiens du quotidien qui sont familiers pour vous, mais ne l'étaient pas forcément pour moi pendant ma scolarité en France. Pour moi, c'était une norme de ne pas avoir de père. J'avais entendu parler d'une prison dans laquelle il y avait des détenus, alors peut-être quand maman est rentrée de Kawidang. Je savais qu'il y avait un endroit où on torturait les gens au Cambodge, mais je n'en avais pas pris la mesure. J'ai donc travaillé très normalement, j'ai une scolarité des plus normales en France, jusqu'en 1991, où nous avons lancé un avis de recherche au Cambodge par la télévision, qui a été entendue par quelqu'un qui connaissait la famille de mon père. Nous avons reçu une lettre écrite en cambodgien pour la première fois. Celle-ci est tombée par terre avec des photos. L'écriture cambodgienne nous a vraiment troublés. Nous avons pensé que c'était mon père qui nous écrivait. Il n'en était rien. C'était sa mère qui parlait à mon père. Ce qui me permet de vous dire aujourd'hui qu'elle n'était pas au courant que son fils était rentré dans son pays et que nous avons été ceux qui lui avons annoncé que mon père n'était pas avec nous, mais qu'il était rentré depuis que j'avais 2 ans. Curieux alors de venir à la rencontre de cette partie de ma culture, nous avons organisé avec mon frère et ma mère le financement de 3 billets d'avion pour partir en 1991 pour un voyage généalogique. Nous ne nous attendions pas à un choc culturel de cette envergure, duquel j'ai en outre beaucoup appris. Et nous nous attendions encore moins à la découverte d'S21. Car voyez-vous, moi j'ai grandi dans un pays où nous sommes libres de nos choix, comme ça a peut-être été le cas au Cambodge. Et je me suis retrouvée confrontée à cet établissement dont la fonction première était de créer de l'intellect qui servirait les êtres humains. À l'époque, S21, il y avait encore écrit en cambodgien sur le mur oblique que c'était le musée de Tuslaing. Aujourd'hui, ces écritures n'existent plus. Et il ne me semble pas que la terre était balisée, la route qui menait à S21 était encore en terre. Il y avait encore une tôle, un mur de tôle qui contournait S21. Avec au-dessus des barbelés ça représentait une distance d'à peu près 2 mètres entre la vraie clôture de la cour d'école K21
qui a été tout le sling. Et la sentinelle qu'on y avait posée pour peut-être stocker des détenus, y mettre une sentinelle, voir retarder et empêcher, juguler la fuite de personnes qui auraient pu éventuellement s'échapper. Il y avait donc quatre bâtiments, comme on a pu vous le décrire, en long, en large et en travers. Le bâtiment A, quand on est face à l'entrée, sur votre gauche, le bâtiment B, le C et le D. Avec mon frère, nous sommes entrés dans l'un des deux bâtiments de gauche. Et pour moi, ça a été le choc de ma vie. Je dis le choc parce que lorsque je suis entrée dans la première pièce et que j'ai visité les autres à la suite, je réalise que c'était la pièce la plus difficile, la plus meurtrière, où la vérité était la plus éclatante. Il y avait au sol des barres de fer avec les entraves qui servaient à tenir les pieds des détenus. Des têtes moulées de Pol Pot en vrac, à l'abandon à côté de ses chaînes, un panoramique d'une photo de charnier exhumé. J'ignorais alors que c'était celle du charnier de Chung Hek. Et au mur, des photos en noir et blanc. Et je pèse mes mots, des photos en noir et blanc d'une rare violence. Car imaginez la violence qu'elles auraient eue si elles avaient été en couleur. Et je n'ai pas de mal à me projeter dans la réalité et dans le sordide de ce qu'a été S21 lorsque je me souviens que ces photos m'ont traumatisé. Mais il a été très salvateur pour moi de les voir. Dos lacéré, cadavre sur des brancards, les pieds amputés, pansements sur des plaies totalement disproportionnées vis-à-vis de celles-ci, visages émaciés, boîte crânienne enfoncée, détenus aux jambes encore entravées et passées à tabac, gisant dans des flaques de sang que l'on pense mort, à qui l'on a jeté des feuilles à la figure dans ces mêmes flaques de sang. Il n'en est rien, deux photos plus tard, la même photo, le détenu n'est pas mort, il lève la main, sa coude, comme il le peut, avec son visage défoncé. Et je me suis demandé à qui demande-t-il secours. Il y a aussi dans cette salle, dans ces salles de classe, une dimension irréelle que je souhaite partager aujourd'hui avec vous. Car entre chaque salle de classe, on a créé à l'emporte-pièce, arraché dans les murs, une porte qui n'existait pas avant et qui fait basculer le fonctionnement même de ce qui était à l'époque une école dans une dimension barbare qui me renvoie à toute l'animalité dont l'être humain est capable. Et qui inverse le mouvement de base pour lequel l'école, les institutions scolaires sont faites, pour la transformer en une machine à broyer de l'homme, à broyer des cerveaux. S21 n'avait qu'une seule finalité, la mort, et surtout une seule intention, prendre l'importance de ceux qui y sont entrés et n'en sont jamais sortis.
Nous avons poursuivi notre visite avec mon frère dans la salle d'après en passant cette porte qui nous fait basculer dans l'irréalité la plus totale. Et sur la seconde pièce, des photos d'identité recouvraient tous les murs. Nous sommes attirés par ces visages qui nous regardent, un par un, et nous emmènent les uns vers les autres. Et je me demande si l'horreur, c'est de voir ces visages émaciés, visages d'enfants, d'hommes, de femmes, de bébés parfois, ou si c'est de se dire qu'il y en a d'autres dont les photographies ne sont même pas présentes. J'ai continué à avancer dans cette deuxième salle et j'ai vu une autre de ces portes qui m'emmenait vers une troisième salle où il y avait autant de photos au mur avec autant de gens qui me regardaient. Et j'ai dit à mon frère, il faut qu'on recommence tout et qu'on les regarde un par un. Parce que peut-être que mon père est dedans, et s'il l'est, nous ne devons pas le rater. Tellement il y avait de photos sur les murs. Ce que je me rappelle de cette visite, c'est que nous sommes sortis sous une chaleur accablante, dans laquelle baigne S21 en quasi-permanence, paradoxalement à l'horreur qui s'est déroulée et au sang qui a pu y couler, aux cris qui ont pu y être émis. Je pense à toutes ces victimes qui ont attendu qu'on vienne les aider et ont essayé de tenir le plus longtemps qu'elles pouvaient, alors que personne n'est jamais venu les aider. Par la suite, nous sommes allés dans les archives d'S21, qui étaient en hauteur sur un des bâtiments, et lorsque l'employé d'S21 nous a ouvert le cadenas et la grille, stupeur a été de constater que malgré des armoires et des rangements par ordre alphabétique, les classeurs étaient tous entassés les uns les autres sous une poussière qui elle aussi était une insulte à l'humanité. En tout cas, c'est elle que je vois. Nous avons pris un classeur chacun et allez savoir par quelle chance nous sommes tombés sur le registre du 9 décembre 1977 où était indiquée la date de mort de mon père comme tête et sa date d'entrée avec son nom, son prénom, sa date de naissance, sa fonction erronée. Je n'ai jamais pris pour argent comptant en ce qui me concerne cette feuille et je me suis toujours dit qu'elle ne faisait pas foi et que je pourrais peut-être trouver et qu'il fallait que je trouve autre chose. Si je vous décris S21 à ce point, c'est que ça a été ce jour la graine de poison qui s'est posée en moi et je n'ai jamais cessé de chercher depuis ce jour à savoir ce qui s'était passé. Nous sommes rentrés en France. J'ai poursuivi ma scolarité. En France, à 16 ans, on passe son bac de français et on passe son bac. J'avais mes études à faire. Je les ai faites. J'ai eu la chance de faire une filière philo-lettres-langues et de rencontrer un professeur extraordinaire de philosophie concerné par le génocide des Juifs. Avec lui, j'ai pu
discourir énormément sur les valeurs avec lesquelles j'avais grandi et sur le choc auquel j'avais été confronté en entrant dans S21. Consciente que notre voyage et le choc culturel que nous avions vécu ne pouvaient pas demeurer, j'ai choisi de faire une filiale de langue pour pouvoir être armée linguistiquement à de futures éventuelles recherches. En 1993, le conflit, si je puis dire, s'était un petit peu modernisé entre le Cambodge et son passé, toujours pourtant omniprésent. J'étais arrivé en maîtrise d'anglais. Le sujet que j'avais choisi était la mise sur microfilm par l'université de Yale des documents d'S21. J'ai été très appuyé par le professeur que j'avais choisi qui m'a dit, Manyri, c'est un sujet de doctorat et bien sûr que j'appuierai ses recherches. Très rapidement, en allant sur Internet, j'ai dû faire face à ce qui fusait du côté Khmer, des revendications Khmer Rouge, ou l'inverse, Watch Your Back Khmer Rouge, et je ne sais plus sur quel forum. Lorsque je faisais des recherches, d'autres paroles qui me dissuadaient d'aller plus loin. Eh bien, cela a fonctionné. J'ai abandonné mes études pour une autre raison qui s'ajoutait à cela. C'était que dans l'idée Khmer Rouge, si je ne me trompe pas, il ne fallait pas être trop cultivé et pas trop réussir au risque de la mort. Figurez-vous que cette idée s'était installée en moi. La même année, en 1993, il me semble que ça a été le grand retour des Khmers Rouges. À Phnom Penh, j'ai vu à la télé depuis la France que Sampan et Chanuran sur TF1. Le jour suivant, j'ai reçu un coup de téléphone à la maison pour ma mère de la part de Chanuran, qui voulait parler à ma mère, elle n'était pas là. Elle ne s'est pas immédiatement présentée. Je lui ai demandé de réitérer son identité. D'un sourire gêné, il m'a dit, c'est Chanuran. Je suis... Il ne m'a pas dit je suis, il m'a dit un grand ami de votre papa. Je lui ai répondu, je sais, je vous ai vu hier à la télévision. Notre discussion était close. Désireuse de revenir dans mon pays, le Cambodge, j'ai changé de filière pour prendre le français comme langue étrangère parce que je souhaitais revenir au Cambodge. Et j'avais ce souvenir imbibé en moi de quelqu'un dans le quartier de Yi, ma grand-mère cambodgienne, qui avait conservé en lui des mots français qu'il avait cachés sous les Khmer Rouges. Et il avait refait sous sa maison sous les pilotis, il avait créé une salle de classe avec des pupitres en bois, un tableau, et il donnait des cours à des petits-enfants de 8 ans. Et il leur disait, dans un français agrémenté d'un accent cambodgien, « Navani va à l'école régulièrement ». Il est venu nous parler avec mon frère et les larmes sont montées dans ses yeux. Il s'est excusé devant nous de ne pouvoir aller plus loin dans ses phrases en français, en nous disant que sous les Khmer Rouges, on lui avait demandé d'oublier son savoir.
Ce savoir enfoui m'a énormément touchée. Ne m'a pas laissée indifférente. Et je pense qu'il a orienté mes décisions de revenir au Cambodge et d'apporter mes connaissances en tant que Française dans un pays auquel je pense appartenir. J'ai continué mes recherches malgré tout sur Internet. J'ai pris contact avec Craig Etchison. J'ai connu Steve Hader. J'ai appris à connaître Kiernan et plus tard Peter Leprecht. Je pense que chacun aurait été prêt à m'aider s'ils avaient détenu autant d'éléments ou plus d'éléments que moi. Mais je déplore le manque de transparence qui est encore aujourd'hui d'actualité du gouvernement Khmer, puisque nous n'avons jamais eu la preuve du passage ou en tout cas du décès de papa. En 2004, Ritipan nous a invités à l'avant-première de la diffusion d'S21. J'avais alors décidé d'avancer un peu dans ma vie, de construire, de laisser le passé derrière, comme peuvent le dire bon nombre de Cambodgiens qui n'osent pas verbaliser, et je les comprends très bien. Nous nous sommes rendus ហើយអង្គជំរះទាំងថាតនជនគឺត្រូវឈប់សម្រាកហាថ្ងៃត្រង់អូខេមកអង្គជំរះប្រកាសសម្រាកដើម្បីពិសារថ្ងៃត្រង់ហើយអង្គជំរះលើកបន្តសម្រាកការនៅរសៀលនេះចាប់ពីម៉ោង 1:30 នាទីនេះដូច្នេះសូមអញ្ជើញកញ្ញាអុកនារីចូលមកកាន់ទីនេះនៅឲ្យបានមុនម៉ោង 1:30 នាទីហើយ អនុរៈមន្ត្រីគុំខាំងឲ្យនាំជនចាប់ចោតទៅកាន់បន្ទប់រងចាំហើយឲ្យនាំជនចាប់ចោតមកកាន់សាលសម្រាប់ការវិញនៅរសៀលនេះឲ្យបានមុនម៉ោង 1:30 នាទីសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ